Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Claire du panier d'Églantine. Alors je m'excuse pour le retard, j'ai 3 petites minutes de retard, c'était un petit peu la course ce soir. Alors si vous êtes là, faites-moi un petit signe, mettez-moi un petit message que je sache si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je vais patienter quelques petites minutes, le temps de finir ma petite installation, et puis voilà, que j'ai un petit signe pour être bien sûr que vous me voyez. Oh, j'ai l'impression que la caméra est floue. Je fais un petit réglage. Est-ce que... Bon, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une sorte de flou sur l'écran. Bonjour Nathalie. Bon, vous m'entendez bien, ça va? Parce que comme j'ai l'impression que l'image est mauvaise, au moins si le son pouvait être bien, ça serait sympa. Bon, bah écoutez. Ah, c'est embêtant cette histoire de caméra là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être la lumière qui fait ça. Bon, bah écoutez, on va commencer. Donc, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous passez un bon week-end. Alors, je vais vous présenter deux choses aujourd'hui. Donc, les nouveautés en vaisselle en mélamine de chez Rice pour la collection donc printemps-été 2021. Et c'est principalement des choses pour les enfants. Et je vous montrerai aussi les petites choses qu'on a reçues cette semaine, que je n'ai pas pu vous montrer la semaine dernière parce qu'on ne les avait pas encore reçues, mais qui font partie aussi de la nouvelle collection Rice. Alors, je vais commencer par la vaisselle des petits garçons. Donc, on a deux nouveaux motifs qui sont très très jolis. Vous avez un petit motif super sympa sur les petits astronautes et cosmonautes. Donc, très, c'est vraiment l'ambiance féerique de l'espace. Et alors, dans cette gamme, vous avez donc l'assiette plate. Creuse, c'est-à-dire l'assiette plate avec un petit rebord. On a aussi le grand bol, donc ça peut aussi être pour les ados, mais ça peut aussi être pour les papas, hein, pourquoi pas. Donc le grand bol, on a aussi le petit bol, la gamme est vraiment complète, vous allez voir, et puis le grand gobelet. Donc c'est vrai que comme les petits astronautes, ça fait moins bébé, je pense qu'ils ont sorti uniquement ce modèle de gobelet en plus grand, parce que voilà, c'est un âge un petit peu plus, on va dire vers 7 ans, c'est sympa. Donc voilà, ça c'est l'ensemble qui existe pour les petits garçons. Et on a dans cette gamme aussi, donc pour les grands enfants, la gamme des petites filles. Et alors là, c'est un thème aussi sympa comme tout. Donc on a des petites glaces, vous avez des petits cœurs, des choses très féminines. Et puis une couleur, alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais c'est un rose tendre dans le fond et un vert tendre sur le bord. Donc c'est super joli. Et vous avez pareil le grand bol, le petit bol et ce gobelet qui peut aussi être pour les grandes filles avec la petite phrase You go girl. Donc super. Toujours joyeux, toujours rafraîchissant chez Rice, super sympa. Donc ça, c'est le premier ensemble filles et garçons qu'on a cette année pour la gamme enfant. Et dans une gamme un peu plus bébé, on a d'autres motifs qui sont sublimes. Ils sont déjà sur le site depuis quelques temps. Et je dois dire que ceux-là que je vais vous montrer, c'est... Il cartonne, c'est impressionnant. On a déjà refait des commandes parce qu'on était déjà à court. Alors, ce sont les dinosaures. Mais alors, ces dinosaures, ils sont magnifiques. Regardez-les. Je trouve que les couleurs sont toutes belles. C'est vraiment,
C'est dessiné et peint, ça fait un peu comme de la peinture à l'eau, donc un peu enfantin, mais très très bien réalisé. Et bah, ces petits dinosaures avec les petites étoiles, ils ont un petit côté féerique comme ça qui les rend super sympas. Donc alors, on a l'assiette plate avec à rebord. Ça, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment bien quand les bébés... Enfin, moi, comme je le dis à chaque vidéo, j'ai un petit bébé qui a 2 ans et demi, donc je teste un peu tous les produits. Ça, c'est bien quand on leur donne à manger au tout début, l'assiette creuse comme ça, ou qu'ils commencent à apprendre à manger tout seuls, parce que comme elle est creuse, bah, ils arrivent bien à attraper la nourriture dedans. Et aussi pour les mamans, pour les petites purées, ça va super bien racler l'assiette, donc ça, c'est génial. Et quand ils sont un peu plus grands, bah, c'est l'assiette à rebord, parce qu'au moins, bah, ils ne font pas tomber les aliments partout. Et puis, ils arrivent à attraper aussi grâce au petit rebord. Donc voilà. Alors ça... Donc, il y a l'assiette creuse, l'assiette plate. Et ce qui est super, c'est qu'il y a aussi le grand gobelet, mais aussi le petit gobelet. Donc, c'est bien pour les bébés ou les plus grands. Et je pense qu'il y a même des clientes qui ont déjà pris ces gobelets pour les adultes. Ah! Natacha me dit qu'Antoine va adorer. J'en doute pas une seconde. Et puis alors, ensuite, vous avez un autre motif. Sublime. Je pense que ça sera pas que pour les bébés. Regardez, ce sont des petits poissons jaunes qui font. Je me demande si c'est pas des petites carpes. Oh, je sais pas, je connais pas bien les poissons, je devrais tout vous dire. Mais ça me fait penser vraiment à un thème japonisant. Regardez, je vous montre de près. Avec ces petites fleurs de cerisier dans le fond, le thème qui est vraiment très doux. Des couleurs toutes douces, toutes pastel, c'est joli comme tout. Et on a donc la petite assiette creuse. On a aussi le grand gobelet et le petit gobelet. Et ça, c'est aussi bien pour les adultes que pour les bébés. Franchement, alors pour un cadeau de naissance d'une petite fille, c'est une super idée. Parce que si vous faites un petit ensemble comme ça, peut-être pas avec le grand gobelet, mais un petit ensemble comme ça fait vraiment la gamme pour tous les âges, en fait, et ça va suivre la croissance du bébé, c'est génial. Donc voilà, ça c'était les gammes de vaisselle pour les bébés et les grands. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer pour les enfants? Ah oui, la petite nouveauté dans les jouets. C'est ceci. Alors ça vient comme ça dans un petit filet. Et je vais vous montrer, comme il y a eu des petits dinosaures sur les motifs. Donc ils ont fait les petites marionnettes de doigts. Donc ça, c'est génial. Le super cadeau aussi, hein, pour les petits. Quand on est invité chez des amis, il y a des enfants, des petits cadeaux. Ce genre de petits cadeaux, c'est toujours rigolo. Et donc en tout, il y a 5 petites têtes de dinosaures. Voilà, dans ce petit filet. Ça, c'était pour les petites nouveautés pour les enfants. Autre chose. Alors, ça fait partie de la gamme de l'année dernière, mais moi, je ne les avais pas commandées, donc je les ai seulement reçues maintenant parce que je trouvais que c'était joli comme tout. J'avais regretté de ne pas les avoir prises l'année dernière. Donc, c'est un ensemble de valisettes pour ranger les jouets. Et donc là, c'est le thème de la jungle pour les petites filles. Donc on a la grande valise. Alors l'intérieur est joli aussi, hein. Rien n'est laissé au hasard. Donc la grande valise, la moyenne avec le flamant rose et la petite avec le toucan. Et je les ai trouvées trop mignonnes pour une chambre de petite fille. Je trouvais que c'était super mignon. C'est des couleurs roses mais qui sont un peu vintage comme ça avec le beige. Vous voyez, je trouve que c'est chic comme assortiment de couleurs. Et puis l'autre ensemble de valisettes, c'est aussi pour les petites filles. Et là, c'est sur le thème des petits poissons et des fleurs. Donc la première valisette, c'est voilà des petites fleurs de cerisier ou de pommier d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt pommier. Peu importe. Mais. Ça peut aussi, je trouve, ça être pour les mamans, par exemple, une petite boîte à couture. Je trouve que c'est, voilà, c'est pas forcément que pour les petites filles. La moyenne, c'est le petit poisson qu'on retrouvait sur les assiettes, toute jolie.
Et là, ils ont fait aussi le motif des petits poissons, mais sur fond vert. Voilà, donc dans un autre coloris. Ah, alors, apparemment, c'est bien des carpes. J'ai la confirmation de mon petit neveu. C'est bien des carpes. Ah, bah, tu vois, mon loulou, je suis quand même au fait des poissons. Alors, voilà. Je vous montre aussi l'intérieur. Clac. Et là, c'est plus. Enfin, voilà, c'est des petites rayures. Il y a déjà les petites fleurs à l'extérieur, donc c'est super beau. Voilà. Donc, ça, c'était les petites valisettes de rangement qui peuvent servir aussi bien aux petites filles qu'aux mamans. Hop. Donc, ça, je le range. Alors, j'avais un petit compagnon, mais je voulais que vous le voyiez pendant toute la séance, mais je n'ai pas réussi à le placer. Mais c'est le panier de rangement, le tout dernier de la gamme. Alors, comment je le. Voilà, comme ça. Donc, c'est un gros nounours. Donc avec une belle contenance, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous connaissez les paniers Rice, mais Rice, en fait, cette maison-là, elle a commencé par faire des paniers. C'était des paniers, c'est toujours d'ailleurs des paniers qui sont tressés en raffia et qui sont faits à Madagascar. Donc tout à la main. Donc ça demande, je crois qu'un coffre à jouets, alors celui-là, je ne sais pas. Mais c'est entre 60 et 80 heures de travail pour réaliser donc tout ce tressage. Ils sont super résistants, vraiment, parce qu'ils sont tressés bah, super bien. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez charger les jouets ou tout ce que vous voulez dedans, ça tient le temps. Le coffre à jouets qu'on a pour mon premier, il a 11 ans, hein, donc je l'utilise toujours, il n'a pas bougé. Donc, je vous dis aussi bien pour la mélamine que pour tout le reste de la gamme Rice, c'est toujours de la bonne qualité. Voilà, ça c'est vraiment le super, super produit. Ça aussi, ça peut faire l'objet d'un cadeau de naissance super. Ça va dans toutes les chambres, que ce soit petite fille, petit garçon. Ça va aussi bien dans un intérieur moderne qu'ancien. Donc, voilà, c'est vraiment un super produit. Et vous le retrouvez, il est déjà en ligne, donc vous pourrez le voir aussi. D'ailleurs, je crois que tout ce que je vous ai montré là est déjà en ligne. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site. Alors, tout à l'heure, en début de vidéo, je vous montrais, je vous disais qu'on a reçu des choses qu'on n'avait pas la semaine dernière pour la nouvelle collection. Je vais vous les montrer ce soir. Il y en a que je découvre en même temps que vous, pour tout vous dire. Alors, je vais commencer par l'objet le plus loufoque, le bougeoir. Forme de caniche. Alors vous savez, oh non, il y a 2 ans, Rice avait fait des bougeoirs, c'était des anges. D'ailleurs, j'avais posté des photos sur Instagram qui avaient plu beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant les fêtes. Donc c'était un petit ange. On a eu un petit renne. Non, pas un renne. Excusez-moi. Si c'était bien un renne ou une biche, je sais plus. Et là, bah pour la collection printemps-été, c'est un caniche. Alors, je vous le montre. Je l'ai trouvé super rigolo. Personnellement, je ne suis pas fan des caniches. Ce n'est pas mes chiens préférés, mais là, j'avoue que celui-là, il était tellement élégant. Rouge à lèvres, collier de perles. Ah, j'ai pas pu résister. Je l'ai trouvé excellent. Donc, voilà, on l'imagine bien avec sa petite bougie sur la tête. Donc, celui-là, voilà, il fait partie de la gamme qu'on a sélectionnée. On avait reçu aussi des petites choses en papeterie. Super pratique, c'est des petites listes. Des listes de courses ou de tout ce que vous voulez. Et c'est aimanté derrière. Donc vous pouvez coller ça au frigo et faire vos petites listes de courses. Et là, il y a toujours une petite phrase, un petit slogan marrant chez Rice. Et là, c'est Do more of what makes you happy. Faites plus ce qui vous fait plaisir, ce qui vous plaît. C'est exactement ça. Donc, si c'est la cuisine, allez-y, cuisinez tout le week-end, faites-vous plaisir. Et puis, autre chose qu'on a reçue, alors ça, c'est ça que je découvre en même temps que vous, parce que je l'ai commandé sur catalogue, mais je n'avais pas vu le produit. On nous l'a beaucoup, beaucoup demandé pour l'été, et je suis super contente que ça soit sorti. C'est, vous savez, je ne sais même pas comment ça s'appelle, bah, c'est une cloche, tout simplement, à placer sur les. Mal fait ça. C'est une cloche à placer sur les tartes,
les gâteaux, tout ce que vous faites en été, que vous voulez protéger des mouches. Et elle se replie, donc, parce que c'est vrai que la plupart des cloches qu'on trouve, elles ne se replient pas, c'est un peu compliqué à ranger après. Donc celle-là, voilà, elle se plie, elle se déplie. Je l'ai mal dépliée, hein. Je suis désolée, comme je découvre en même temps vous, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'arrive pas à la replier, mais en fait, comme je suis un peu nulle pour tout ça, je ne suis pas étonnée. Bon, c'est du direct. Donc, bah, quand j'aurai réussi à la replier, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Bon, voilà, elle va rester comme ça pour la soirée. Hop, donc ça, c'était aussi une petite chose qu'on avait reçue qui était très, très demandée. Autre chose géniale, ce sont des sacs alimentaires que vous pouvez réutiliser. Donc, ils sont lavables. Vous pouvez les mettre au congélateur, vous pouvez les mettre au micro-ondes. Et il y a trois tailles dedans. Donc, il y en a le tout grand avec un cœur, le plus petit avec love, et je crois que l'autre, ça doit être love. Live, live. Donc, c'est trois tailles, et le fait qu'ils soient réutilisables, je trouve ça génial. Donc, super, super produit. Voilà, ça c'était pour la partie cuisine. Et alors, je vous montre le coup de cœur total, les saladiers. Alors, je vais vous montrer ça. Je vous en avais montré un la semaine dernière. Et alors, je vous montre. La semaine dernière, je vous avais montré celui-ci, donc les pêches. Et ce que on n'avait pas reçu, c'était les couverts à salade assortis en mélamine. Super beau. Enfin, ça, vraiment, ça fait envie d'être en été, je trouve. Donc voilà, le premier assortiment. Et le deuxième. C'est un petit peu quelque chose en avant-première sur la gamme de Pâques que je ne veux pas vous montrer maintenant parce que je trouve qu'on est un peu loin de Pâques, on a encore le temps, mais ça viendra. C'est ce magnifique saladier Liberty. Donc il y a l'intérieur, il est vert tendre. Et l'extérieur, c'est blanc avec un petit motif Liberty et les couverts assortis. Voilà. Et je trouve, voilà, l'ensemble. Enfin, super beau quoi, réussi. Puis le fait qu'ils aient enfin fait les couverts à salade qui vont avec, je trouve ça génial. Donc voilà, ça c'était pour toute la gamme de rice. Alors, vous savez que jusqu'au 20 janvier, donc c'est encore 4 jours, si vous faites n'importe quelle commande de rice, on glisse dans votre colis une surprise de rice. Donc c'est vraiment des jolis cadeaux. Mais je n'en dis pas plus, il faut que ça reste une surprise. Et pour en bénéficier, il faut saisir à la fin de votre commande le code promo, c'est surprise en majuscule. Donc vous mettez ça, si vous commandez voilà, n'importe quoi, une toute petite commande ou une grosse commande, peu importe, il y a toujours un petit cadeau surprise qui est glissé et c'est de chez Rice. Donc voilà, on a déjà des clientes qui l'avaient fait la semaine dernière qui nous ont mis un petit message pour nous dire qu'elles étaient contentes de la surprise. Donc voilà, profitez-en si vous en avez envie. C'est le moment. Et alors, maintenant, je passe complètement à autre chose. Je vais me faire un tout petit peu de place. On a reçu des nouveautés chez KitchenCraft. Et c'est une nouvelle vaisselle, alors qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de présenter sur notre site. Mais bah, comme ça, j'aurai votre avis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est très réussi. Mais je vais vous montrer. Hop, je me fais un petit peu de place parce que j'avais beaucoup de choses de chez Rice. Voilà, hop, on pousse tout ça. Et je vous montre. En fait, ce sont des tasses et des assiettes. Donc, c'est un service plutôt à thé, café, chocolat chaud, avec des animaux. Donc, je vous montre. Roulement de tambour, roulement de tambour. Petite extension arrière. Voilà. Hop. Alors. En fait, voilà. Ce sont des grands mugs. Il y a deux tailles, deux formats de mugs. Donc il y a ce mug-là. Donc vous voyez, parce que c'est vrai que comme ils sont blancs sur le site, c'est difficile en fait de se rendre compte déjà de l'aspect de la porcelaine et puis de la taille. Donc ça, c'est vraiment le grand mug large pour le petit déjeuner, pour boire un thé, c'est super. Pour boire un chocolat chaud, c'est super. Pour boire les grands cafés aussi. Et donc c'est de la porcelaine Bone China. Bone China, ça veut dire que c'est une porcelaine très fine
et qui a cuit à très haute température et qui est donc très dure, très résistante. Donc vous pouvez passer ces mugs-là au lave-vaisselle sans problème, au micro-ondes aussi. Et donc les motifs, alors je vais vous l'approcher tout près de la caméra. Vous voyez, c'est un artiste qui a fait ces petits dessins. Donc on aurait presque des photos, mais ce sont des dessins. Donc là, c'est une petite mésange. Ah ben, Antoine, il faudrait aussi qu'il m'assiste, hein, qu'il me dise si c'est bien une mésange. Alors voilà. Et vous voyez, on les a bien en main. Enfin, je les trouvais sublimes. Donc ça, c'est le premier format. Et le deuxième format, c'est celui-là. Plus haut. Donc ça, c'est plutôt pour les latte macchiato ou pour les grandes tisanes. Enfin, voilà. Et donc, de chaque côté de la tasse, vous avez ces animaux. Donc là, c'est une chouette. Ou un hibou. Ben, si vous savez, dites-moi, parce que ça m'intéresse. Moi qui adore les animaux. Donc voilà, ça c'est le grand format. Et donc à chaque fois, vous avez un motif différent. Donc là, celui-ci, mon préféré, c'est l'ours. Donc il y a un côté très graphique, hein, comme c'est dessiné. Et un côté voilà, très moderne. Et il y a un mélange noir et blanc et couleur. Donc je trouvais que c'était intéressant. Voilà, puis ça s'empile bien dans les placards, c'est assez sympa. Là, par exemple, vous avez, puis voilà, le lion. Ici, on a une perruche. Et puis, vous avez ici, maintenant, c'est peut-être là, oh là là, j'ai du mal, un perroquet ou une perruche. Franchement, je trouve ça vraiment réussi et de très très bonne qualité. Kitchencraft, je ne sais pas si vous connaissez. Kitchencraft, c'est une maison britannique qui fabrique plein de choses pour faire la cuisine. Enfin, nous, on les a connus parce qu'ils faisaient tout ce qui était autour de la cuisine créative. Donc des moules de différentes formes, il y avait des emporte-pièces originaux, tout ça. Et puis, le catalogue s'est vraiment élargi. Maintenant, on a aussi des moules. Vous verrez sur le site des moules de cuisine, voilà, des moules pour la cuisson au four en métal qui sont super résistants et qui sont. Enfin, je vous ferai une vidéo, je vous montrerai un peu tout ce que fait KitchenCraft, c'est assez énorme. Il y a beaucoup de spatules en silicone, des choses comme ça. Et puis il y a des gammes de vaisselle qui viennent. Donc là, ils ont édité la marque Maxwell et Williams, donc c'est aussi une marque britannique. Et l'artiste, il s'appelle Marini Ferrazzo. Donc on le retrouve ici, ce petit artiste. Donc il y a une petite carte qui explique un petit peu voilà, qui est l'artiste qui a fait ça. Et en plus, ça vient dans un joli coffret, une jolie boîte comme ça, qui, vous voyez, pour faire un cadeau, c'est vraiment un beau carton qualitatif. La boîte, elle est joliment décorée. Donc je trouve que c'est. Voilà, on est tombé sous le charme. C'est vrai que c'est différent de ce qu'on fait habituellement. C'est loin de Pip Studio, c'est loin de Green Gate. Mais il y a un petit côté moderne et proche de la nature comme ça qu'on a beaucoup aimé. Et vous avez aussi les petites assiettes à dessert. Voilà, pour manger les pâtisseries avec le thé, le café. Donc vous voyez, c'est. Enfin, voilà. Si vous aimez, dites-le-moi. Je vous montre par exemple l'ours qui est superbe. Ou vous avez aussi l'éléphant. L'éléphant qui est joli comme tout. Ah, puis bah, bien sûr, ça c'est pour ma louloute Augustine. Je ne sais pas si elle me voit. Le petit panda. Voilà, trop mignon. Alors, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer en nouveauté. Je vous répète juste une chose. Donc, pour obtenir un cadeau Rice, c'est le code surprise. Et en ce moment, on a aussi un autre code promo qui est actif, c'est sur le thé en sachet. Donc, tout le thé en sachet, si vous faites une commande et que vous entrez le code promo qui est T, donc THE10, vous aurez 10% de remise sur l'achat du thé en sachet. Donc, voilà, c'est le moment d'en profiter. Alors, dernière chose, j'avais lancé un petit jeu sur Facebook en tout début de semaine, c'était lundi. Vous deviez tout simplement me donner le nom du plateau rice que vous préfériez, le motif que vous aviez préféré. Il suffisait de mettre voilà, un petit commentaire partagé sur sa page
en mode public le nom, voilà, le poste que j'avais fait. Et on devait dire qui était la gagnante ce soir. Alors, pour la gagnante, eh ben, on a choisi une petite main innocente qui va venir tirer au sort. Et la petite main innocente, c'est mon loulou. C'est Max, tu viens bébé? Oh louche. Attends, on va faire une petite place. Bah viens, viens sur maman, on va voir ensemble. Allez, viens. Alors, hop, regarde bébé. Voilà Max. Alors, je vous présente Max, qui est souvent avec nous quand on prépare les colis. T'as vu Doudou, tu es là? Alors, mon chéri, il faut que tu tires un petit mot au sort. Ça y est? Tu me le donnes celui-là? Alors, attention. Alors, c'est Amandachi qui a gagné le petit cadeau Rice. Bravo, Amanda. Tu fais bravo, Doudou. Alors, Amanda, vous allez recevoir une petite enveloppe avec un cadeau. Et puis, ça nous fait super plaisir, voilà, de vous faire plaisir. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Oh, allez, on va faire une deuxième gagnante. Je crois qu'il a envie d'une deuxième gagnante. Ah. Alors, qui est-ce? Il n'y en aura que deux. La deuxième gagnante, c'est... Alors, c'est mon mari qui a très mal écrit. Tu peux me lire? Christine. Clone. Clarisse? Christine, Clarisse, c'est ça? Peut-être, ouais. Bon, on vous retrouvera. Il écrit mal, mon mari, mais on retrouvera. Donc, il y a une Christine qui a gagné aussi. Deux gagnantes, voilà, pour ce soir. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine. À très, très vite. Et passez un très, très bon week-end. Ciao, ciao! Tu dis au revoir, Max? Mince, je sais plus comment on arrête. Ciao!